Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Écoutez, vous avez été plusieurs à m'en parler, à me le demander. Ça fait quand même un bout de temps que je vous parle de la compagnie Hobby Depot, la compagnie québécoise de Diamond Painting. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais visiter la boutique. Je suis au Hobby Depot, je m'incruste et je vous fais faire un petit tour rapide de la boutique, là, mais je vous montre ça. Donc, on rentre dans l'univers du Hobby Depot. Wouhouhou! Donc, en partant, lorsqu'on rentre ici, on rentre dans du Tupperware. Là, écoutez, je suis désolée un peu pour les angles de vue. Je vais essayer de bien filmer tout, mais je suis comme à côté, dans le coin du mur, dans l'entrée. J'aimerais beaucoup prendre une vue d'ensemble de tout ce qu'ils ont, mais ça rentre pas tout dans la caméra, ok? J'ai beau essayer de me... Je me fais très, très petite. Donc, en partant, quand on rentre dans l'entrée, ben... C'est beaucoup, beaucoup de Tupperware dans le fond. Des démos, ils en ont vraiment beaucoup aussi en stock. Donc, ils ont à peu près tout ce qu'il y a dans le catalogue. Et puis, on a ici toutes sortes de toiles. Il n'y a pas de thème en particulier. Donc, dans l'entrée, là, c'est des démos, là. Je vais essayer de bien vous les montrer. Je suis désolée avec l'angle des fois du reflet. À cause de la lumière, hein, on est en plein jour. Donc, c'est les démos de des toiles de Hobby Depot, dans le fond. Donc, le hibou, c'est une toile de Cid Turcotte, c'est une toile d'artiste. Le panda, c'est une toile de Anciela Alary. Donc, celle-là aussi, c'est une toile d'artiste. Donc, on peut voir, là. Donc, on s'en va dans le magasin. Ici par terre, tadadam, à deux diamants du bonheur. Je trouve ça tellement drôle, je trouve ça tellement cute. Donc là, on est dans la boutique. Voici la boutique Hobby Depot. Donc, lorsqu'on pénètre dans l'antre, premièrement, ici à l'entrée, lorsqu'on arrive, il y a des bijoux d'une artisane du coin, les bijoux Janajna. Donc, des fois, hein, au Hobby Depot, là, c'est pas juste du diamond painting, il y a toutes sortes de choses là, pour des petites idées de cadeaux de dernière minute. Il y a même là, des petits morceaux de vêtements aussi d'une créatrice québécoise. Là, ici, on a des scratch paintings. Il en reste plus beaucoup en stock, là, mais ils vont en recommander d'autres. Derrière, là, en arrière du linge, là, c'est le bureau. Donc, je ne vous ferai pas visiter cette partie-là. Mais ici, à l'entrée, donc on a le cartable ici qui a tous les modèles, dans le fond, qui se retrouvent sur le site web. Quelqu'un qui vient ici, qui trouve pas qui flash pas, qui n'a pas de coup de cœur, ben, peut aller consulter le cartable et puis peut aller se trouver une image, toutes les grandeurs là, que la toile peut se faire, tout est suggéré. Donc, c'est toutes des choses qu'on rentre en commande. Il y a des petits autocollants aussi pour les autos. Parce que si vous voulez aussi, vous pouvez prendre contact avec Hobby Depot, puis ils peuvent faire là, des décalques pour l'auto, là, des connards, on appelle ça du vinyle, là. Donc, que ce soit là, un dessin, que ce soit parce que vous êtes représentant de Sensi, que vous voulez faire quelque chose par rapport à ça, peu importe, là, vous voulez écrire « Je t'aime, maman » sur le coffre de votre char, c'est faisable. Tu veux mettre un collant de nounours sur ton kayak, ça et tout, ils vont te le faire. Ça va marcher, ça va coller. Et puis, on a ici, justement, un deuxième cartable qui est toutes sortes de modèles de décalque, justement, aussi, là, qui peut être fait. Ils ont un paquet de couleurs, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, le Hobby Depot, il n'y a pas juste du diamond painting. Donc, là, encore du Tupperware. Fait que quand on est ici, là, dans l'entrée de la boutique, là, on voit, là, cette partie-là, là, de ce côté-là, là. Ça ici, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup du Tupperware, aller à peu près jusque-là. Là, après ça, là, ben, on a du diamond painting jusque dans le fond. On a deux présentoirs de toile comme ça. Et on a des présentoirs avec beaucoup, beaucoup de points noués. Fait que là, je vais faire le tour au complet. C'est ça. Ici, on a du Tupperware. Des petits notebooks. Après ça, tout, on s'en vient ici. Même chose, toutes sortes, là, ici, ça va être des diamants AB. Il y a mes stylets qui sont en vente au Hobby Depot, les stylets là, que je fais moi-même à la main. Il y a un petit peu là, de points de croix, il y en a quelques-uns.
Ils ont des petits modèles là, de diamond painting, mettons, au travers du Tupperware de cachet, là, mais c'est des petits modèles pour enfants. Sinon, ici, là, vraiment, là, dans cette partie-là, là, dans ce rack-là, là, ils ont vraiment gros du Tupperware, mettons, à rabais, là, des plats, là, beaux, bons, pas chers. C'est ça, là. Il y a quand même là, beaucoup de choix, là. Donc, ça, c'est tout du Tupperware. Après ça, on arrive ici, près de la caisse. Il y a un rack où est-ce que tout le tour, c'est tout des cover minder que moi je fais. Toutes sortes de petits accessoires. Là, je vais y revenir. On a des bonbons de la boîte à bonbons. C'est les meilleurs bonbons. Et puis, dans ce petit coin-là, là, je suis comme au bout du magasin que vous avez vu tantôt là, quand que je suis rentrée. Je suis comme dans le bout du magasin. Dans cette partie-là, ici, là, ça va être comme des casse-têtes un 3D, là, un peu de modélisation, là, si on veut. Là. Même chose, là, ici, on a des petits sacs réutilisables, mais même chose ici, en haut, là, il y a des choses à construire là, comme casse-tête 3D. Ils ont des vrais casse-têtes de Jacques Roux. Écoutez, il y a du stock. Il y a même des belles boîtes mystères qui coûtent 75$. Vous avez une valeur de 100$ à l'intérieur. Il y a des boîtes mystères normales. Il y a, comme ici en haut, qu'il n'y a pas de toile dans celle-là. Fait que ça veut dire là, que tu peux avoir genre un sac réutilisable, un signet, toutes sortes. Tu peux avoir plein d'accessoires, toutes sortes d'affaires, mais il n'y a pas de toile. Puis, à l'inverse, il y a des boîtes aussi qu'il y a juste des toiles dedans. Il y en a qui ont plein d'accessoires, là, qui n'en veulent pas, là, qui veulent juste avoir des toiles. Là. Donc, vous avez des boîtes aussi avec uniquement des toiles. Naturellement, il y a de la barbe à papa aussi. Donc, ici, on a... des autocollants. On a du petit scratch painting. Ils ont des cartes que c'est eux qui font. Il y a des signets aussi, là. Il y a vraiment, là, quand même, là, ça, c'est plus des petits objets, là, des petits projets. Mettons quelqu'un qui commence le diamond painting. Ils en ont des plus petits pour enfants. Ils ont des petits avec des diamants ronds. Ça, ici, là, c'est des petits casse-têtes comme 3D. Mettons, ça, c'est une cabane à oiseaux, un avion. Puis vous avez de la peinture d'inclus. Fait que c'est des petites affaires, là, pour les enfants. Mettons, là, ça fait des beaux petits cadeaux à donner à Noël. Aussi. Beau petit cadeau, mettons, là, de dernière minute. Là. Des petites cartes de Noël. Et puis, là, on s'en vient voir le premier rack de Diamond Painting. Donc, ça, c'est tout des Diamond Painting qui sont vraiment faites ici chez Hobby Depot. Là, vraiment, là, c'est un produit 100% québécois. C'est tout fait. Là, toutes les étapes sont faites ici à Davelouville. Ça, c'est une partie là, des modèles là, de l'inventaire qu'ils ont. Ils ont aussi du Jacques Roux en stock. Donc, ils ont quand même beaucoup de modèles avec un beau démo de Jacques Roux en haut, une belle toile, mais ils ont vraiment là, quand même là, pas mal de choix de toiles. Il y a un petit coin sous la table ici, petit coin de liquidation. Des petites toiles là, qu'on veut que ça sorte. Bon, je passe vite, là, je reviens tout simplement pour les angles de vue, question que vous voyez mieux. Ici, dans ça, ben dans le coin en haut, là, il y a encore quelques petites toiles de Jacques Roux, des petits modèles. Il y a du Oraloa aussi. Il y a des accessoires, mallettes, tu sais, c'est un peu, là, comment je pourrais dire, là, un étagère mélangé. Et puis, on a ici un coin là où est-ce qu'il y a plein d'accessoires, plateaux, crayons, tout qu'est-ce que vous avez besoin, là, mettons, des spatules, porte-crayons, des petits stoppeurs pour les plateaux blancs, écoutez, de besoin des pinces, là. Tout qu'est-ce que tu as besoin comme petit accessoire complémentaire, tu vas le trouver là-dedans. Puis ici, deuxième présentoir de toile. Donc, c'est ça, je vous disais tantôt, là, ils ont deux présentoirs, là. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup en inventaire. Puis malgré tout ça, si t'as pas flashé sur une toile, que t'en as pas trouvé une de ton goût, ben, ils t'en font des personnalisés. Fait que t'arrives, là, puis tu leur envoies ta photo, puis ils vont t'envoyer un aperçu avec la grandeur idéale pour ta photo. Et, écoutez, l'aperçu, ça coûte rien, là. Fait que vous leur envoyez une photo, t'es pas sûr. T'hésites entre 2-3 photos. Envoie les 2-3, demande-leur laquelle qui va sortir la plus belle. Des fois, on est là, puis on regarde ça, puis on le sait pas, puis il y a un petit reflet en quelque part, il y a une petite ombre en quelque part, qui fait que ça sera pas beau sur la photo. Les autres, ils vont tous pouvoir vous dire ça. Ils sont spécialistes là-dedans. Donc, on a ici les racks de points noués. Fait qu'ils ont des coussins, ils ont des tapis. Ils ont vraiment, là, beaucoup, beaucoup de modèles. Pour vrai, là, ils sont tous au même prix. C'est tous 35$, là, les points noués. Là. C'est toute une petite valise. T'as ton plan, t'as ton petit outil, tous tes petits ballots de laine, toute la patente. C'est vraiment complet. Même affaire que le Diamond Painting, c'est un kit complet. Ensuite de ça, prochaine partie, en arrière. Quand je vous disais, là, on s'introduit chez Hobby Depot, là, êtes-vous prêts? Regardez-moi ça. On s'en va au bord du comptoir. Alors là, on est vraiment dans les coulisses du Hobby Depot.
sérieux, là, vous êtes vraiment backstage. Donc, petit tour quand même rapidement, là, je vais passer ça quand même rapide. Là, c'est le bureau de la boss. Moi, présentement, là, je suis comme là, dans le bureau là, de la secrétaire. Puis, c'est ça, à ma droite, là, juste là, on a la portion boutique. Là, on est vraiment en arrière. On a juste là la grosse imprimante qui imprime l'étoile. On a, là, je viens d'en passer une, là, mais on a deux imprimantes 3D qui se trouvent là. C'est ça, quand même bien ancrées dans les comptoirs. Pour faire des beaux accessoires 3D, ils ont un paquet de plateaux, ils ont un paquet de trucs de disponibles si vous regardez sur le site internet, si vous regardez aussi sur leur boutique Etsy, là, vous pouvez les voir, là, ils ont quand même gros du stock. Là, ce que vous voyez en arrière, là, puis que où est-ce que je m'en vais, là? Là, on arrive dans le vif du sujet, OK? Les 448 couleurs. Les 448 couleurs, le DMC, ils n'ont pas le choix parce que Hobby Depot, vous le savez, ils font des diamond paintings personnalisés en carré. Donc, pour pouvoir faire ça, ben pour pouvoir faire toutes les photos, ça prend toutes les couleurs. Et voilà. Donc, là, je suis quand même de loin, là. Si je m'approche, là, écoutez, là, ça fait du stock. Hein? Il y en a-tu la couleur? Oh là 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 là. Fait que là, vous voyez, vous reconnaissez un peu, là, hein? La portion, là, boutique, là, de ce coin-là, là. Fait qu'on les voyait tantôt, là, en background, là, toutes les couleurs. Donc, les 448, hein, ça en fait, là. Puis ça, dans le fond, c'est que un petit plat de chaque couleur. On peut voir un exemple là, d'un diamond painting personnalisé là, pour montrer aux gens là, que c'est possible à partir d'une photo. Et, hein? Oui, il y en a des petits bocaux. Vous pouvez tous les voir. Là, y a, c'est sûr, il y a certains plats qui sont noirs, là, mais ils ont vraiment toutes les couleurs. Puis, ils en ont même plus que ça parce que dans cette troisième étagère-là, là, le haut, là, c'est tout des diamants AB. Fait que, tu sais, sérieusement, là, ils ont, je suis pas mal certaine, là, qu'ils ont plus de 500 petits plats. Puis ça, c'est que, comment je pourrais dire, la pointe de l'iceberg. C'est juste un plat de chaque. Ça, faut les remplir, ces plats-là. Ça va se faire au sous-sol. Il y a un endroit, là, une vieille voûte, là, avec plein de rangements, là. C'est plein de tablettes, là, puis chaque couleur, là, c'est une poche, là, soit de 3 kilos ou de 5 kilos. Fait qu'imaginez-vous, là, tu sais, pour vous donner une image, là, une bonne grosse poche de riz, OK? De chaque couleur. Puis même que les couleurs qu'on passe beaucoup, comme du noir, du 310, mettons, du 37-99, du blanc, du 38-65, tu sais, des couleurs qu'on passe énormément, ben à ce moment-là, il en achète une plus grosse poche. Fait que des fois, c'est des 10 kilos. donc, ça n'en fait de la couleur. Hey, hein? Là, vous êtes chanceux. Là, hein? Comme je vous disais, vous êtes vraiment backstage du Hobby Depot. Donc, vous avez vu les coulisses. Je vous ai fait une petite visite. J'espère que ça vous aura plu. Ah oui, c'est vrai. Si on s'approche, voyez-vous sur la table? Oh! Il y a un diamond painting, puis il a de l'air comme en cours. Tu sais, il est pas fini, là. Regardez ça, hein? Il est beau, il en manque pas gros. Il y a des crayons à côté, plateau. Hein, les diamants. Oh, ça sent la vidéo vlog, là. Je vous ai fait une vidéo secrète du tour de la boutique. Pourquoi pas un vlog secret au Hobby Depot? Ah, surveillez ça au cours des prochains jours. D'après moi, là, d'ici une semaine ou deux, là, oh, ça se pourrait que vous voyez une petite vidéo vlog apparaître sur cette magnifique toile. Me semble, là, hein, les belles couleurs, tout, ça me donne envie d'aller travailler dessus. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez apprécié le petit tour en coulisses, en backstage, chez Hobby Depot. Vous avez été plusieurs à me le demander souvent et tout. Donc là, j'ai mis ça sur ma liste de tâches à faire. Je me suis dit, Sam, prend un petit tour, là, faut que je leur montre la boutique, les couleurs de la boutique, pour vrai, là, vraiment une belle boutique, là, c'est quand même grand et tout, voyez, là, la déco, là, hein, un paquet de toiles,
Là et là, ce sont deux casse-têtes qui sont encadrés. Ça fait super beau. C'est des casse-têtes, c'est des images de Annaline. Donc, c'est des casse-têtes de Jacques Arroux. Vraiment, là, très, très bel endroit. Donc, si jamais cet été, pour X raison, vous en allez, vous faites Montréal-Québec, vous faites une sortie, quelque chose, puis vous passez dans le coin là, de Davalouville. L'autoroute 20, là, c'est la sortie 220. Fait que si vous passez par là, vous voyez la pancarte, vérifiez, regardez sur Google un peu, là, voir si la boutique est ouverte, les heures d'ouverture sont à jour. Donc, faites un petit check-up. Peut-être qu'un petit détour de 5-10 minutes, là, hein, ça vaudrait la peine. Venir voir ça en vrai, là. Écoutez, hein? Je fais ça rapidement. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Et puis, je sais pas, hein, des fois, hein, si vous arrivez au Hub Depot, ça se pourrait que moi, je sois là. Des fois, je suis là. Bye bye tout le monde, à bientôt.